Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo découverte, un direct live de Yoshi Woolly World, qui se prononce plutôt Yoshi's Woolly World, mais c'est pas grave. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a une démo de Pikmin 3 que j'avais installée il y a pas longtemps, donc on fera peut-être un direct live là-dessus, pour découvrir Pikmin 3, puisque je n'ai pas fait la démo. Et donc c'est parti pour Yoshi, parce que Yoshi c'est le plus important. Donc Yoshi Woolly World, un jeu que j'attendais un peu avec impatience, parce qu'un Yoshi ça fait plaisir. Et Yoshi Island en tout cas sur DS, moi j'ai connu le premier sur... Le premier Yoshi que j'ai connu surtout, ouais, où Yoshi était le héros, parce que bon... la plupart du temps avant il était chevauché par Mario. Et donc, bah oui, Yoshi Island sur DS, voilà, c'était mon premier Yoshi Island. Alors qu'il y en avait déjà un sur Super NES à l'époque, qui était extrêmement beau, déjà, avec des effets crayonnés, hein, c'est vraiment, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a dessiné avec un crayon de bois, hein, c'était assez bien foutu, et c'est à peu près pareil pour la version DS, et enfin, normalement c'est Super Mario World 2 qui s'appelle sur Super NES, mais bon, c'est Yoshi Island quoi en gros. Et Yoshi Island sur DS, bah voilà, c'est très bon titre aussi. Que je ne sais plus, j'étais rendu loin, mais je l'ai pas fini. Il faudrait que je le finisse. Également comme la version 3DS, mais la version 3DS, je la trouve vraiment trop simple. Mais bon, Yoshi, c'est souvent très simple. Comme ce Yoshi et Woolly World le montrent. Pour l'instant. Bon, là, vous voyez, c'est la partie de ma petite sœur. Voilà. Elle fait le jeu en parallèle avec moi et elle est rendue un peu plus loin parce que moi je vais découvrir le monde 2 avec vous alors qu'elle est à la moitié du monde 2, mais j'ai pas regardé parce que c'est la surprise de cette vidéo. Donc déjà comme vous pouvez le voir, bah, j'ai un Yoshi spécifique, oui, on peut changer de skin en finissant certains niveaux, et ben on doit ramasser à chaque fois, enfin pas certains niveaux, chaque niveau on doit ramasser 5 rubans. 5 rubans, je veux dire 5 pelotes de laine pour réussir à débloquer un nouveau Yoshi. Donc, mais moi, pour que mon Yoshi ait la beau gossitude à 100%, et ben il faut absolument que je prenne le Yoshi Donkey Kong. Vous allez voir comment ça se passe. Ah, c'est là-dedans. Bon, il faut d'abord que je trouve mon Donkey Kong. Mon amiibo Donkey Kong, qui est magnifique, qui est beautiful. Ah ben non, j'ai même pas besoin de le replacer. Et... Bon, je l'avais déjà placé l'autre jour, donc... Peut-être qu'il... Bah là, vous le voyez en gros plan. Yoshi Donkey. Et voilà. Ça se fait très simplement, bah, comme dans Super Smash Bros. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un vidéo test sur Super Smash Bros, hein, ce serait intéressant. J'ai pas mal de choses à dire sur ce titre. Et donc, la mauvaise surprise par contre, c'est qu'il y a que 6 mondes dans ce Yoshi Woolly World. C'est un peu faiblard. Donc la durée de vie, je pense pas que ce soit exceptionnel. Mais j'envisage de faire aussi un vidéo défi, enfin... Je préfère appeler ça maintenant Défi Kong, ça fait plus beau et plus classe. Ça va plus dans l'esprit de Oliver Plasma, voilà. Voilà. Je suis un gros fan de Donkey Kong, il faut le montrer. Je le montre peut-être un peu trop. Dune ondulante. Donc là, c'est découverte totale. Bah déjà...
Il n'y a pas trop de nouveautés avec le gameplay, hein. Comme d'habitude, on tire la langue, on saute de la même façon, en planant, sauf que là, et ben voilà, on peut le faire presque à l'infini, voilà. Alors, on le fait à l'infini, on descend peut-être un peu, mais voilà, c'est un peu cheaté. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Allez, passage secret, voilà. Beaucoup de passages secrets, hein. À ce qui paraît, c'est l'intérêt du jeu, hein, c'est d'observer partout, aux alentours, pour gagner, pour avoir toutes les fleurs. Les fleurs permettent d'avoir, si vous avez récupéré toutes les fleurs d'un monde, bah ça permet de créer, de débloquer un monde spécial, un niveau spécial dans le du monde. J'ai du mal à parler. Et les tampons, bah j'ai pas trop compris à quoi ça servait, c'est pour mi-verse ou une connerie comme ça. En gros, on s'en fout. Et puis voilà, après pour les pelotes, et ben ça sert à débloquer deux nouvelles skins assez sympathiques. J'aimais bien la skin vache de Yoshi, mais la skin pastèque est pas mal aussi. C'était la skin d'avant. Donc comme vous pouvez le voir, tout est en laine, c'est vraiment magnifique, c'est surtout ça qui m'a attiré. En voyant le trailer et surtout bah, les nombreuses vidéos qu'ont fait Nintendo sur ce jeu pour montrer comment ils ont fait le jeu, il y avait pas mal d'infos sur Nintendo eShop là. Mais également bien sûr à l'E3 je pense, hein. Ça a été sans doute repris de l'E3 de l'année dernière, pas de celui-ci, non, l'E3 actuel de cette année, c'était de la bouse à ce qui paraît. Je n'y étais pas. Mais d'après le grand Hooper, c'était de la bouse et je le crois parce que ce que j'ai vu pour l'histoire de Star Fox, là, le nouveau Star Fox qui va sortir, mon dieu, nous sommes sur N64. Voilà. Si vous aimez les graphismes de la N64, hein, bien flouté en 240p, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, si vous êtes comme moi, vous vous dites, mais bon sang, Nintendo, sortez-vous les doigts du cul. Voilà. Mais je pense que c'est pas la même chose. Donc bah, j'ai loupé une pelote, donc j'ai envie d'avoir une pelote. Et je sais pas où en trouver là. Bon, je crois que je vais pas tout prendre, hein, parce que franchement, explorer le niveau, vous voyez, c'est l'intérêt du jeu, hein, parce que si on le speedrun, si on va vraiment très vite, eh bien on risque d'être assez déçu quand même. Non, le jeu il est surtout fait pour l'exploration et donc faut trouver tous les petits passages secrets, un peu comme un Mario, hein. Même si bon, un Mario des fois c'est un peu abusé les passages secrets, alors que là ils sont bien trouvés. Alors que dans un Mario c'est les passages secrets, ils te mettent un mur invisible, c'est bon. un mur plutôt. Ils te mettent un mur alors que tu peux passer au travers, voilà. C'est n'importe quoi. Voilà. New Super Mario Bros. Hein. Ouais, peut-être que je vous fasse aussi un vidéo test sur New Super Mario Bros. Wii U. J'en avais fait un déjà avec Mister Y, le grand, le puissant, mais le problème c'est qu'on n'entendait presque pas Mister Y, il était trop loin de du micro, et donc bah, j'ai préféré abandonner. Ah, surtout que c'était bien, il disait plein de conneries. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. Mister Y, bien sûr, si vous le connaissez pas, bah, il était dans le vidéo test de New Super Mario Bros. Wii U. Oui, c'est un pro New Super Mario Bros. Hein. Et aussi un pro FIFA. C'est moins bien. Voilà, faisons gaffe aux petits ennemis. J'ai l'impression qu'on peut pas les tuer. C'est des nouveaux ennemis. Hein. Je les ai jamais vus avant. Bon, bah, je le pousse avec ma langue. Ma langue en laine. C'est tellement... Tout est en laine, c'est vraiment magnifique, même la langue. Et voilà, moi, c'est des jeux comme ça que je veux chez Nintendo. C'est beau, soigné. Ah, c'est comme ça qu'on peut avoir ceux d'en dessous, ok. J'ai mis dans les options lancer rapide, c'est un peu mieux que lancer tout court. Mais c'est juste que au lieu de appuyer deux fois sur le bouton X pour lancer, bah, on appuie et puis après on relâche et lance direct. Moi j'avais cru que ça allait permettre au curseur d'aller plus vite, mais non. Non. Fausse joie, hein, de Oliver Plasma. Bon, on prend des pelotes de laine.
Le jeu est sorti il y a vraiment pas longtemps, le 26 juin 2015. Donc ouais, c'est quand même un jeu très très récent. Donc oui, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur un jeu très récent comme ça. Et avant c'était sur Sonic Boom, qui est un jeu très moyen. Mais bon, je l'ai peut-être un peu surnoté, hein. J'aurais peut-être dû mettre plutôt un 11, parce que 13 c'est un peu... Je dirais que c'est quand même un peu trop. Mais bon, moi c'est original, je suis un peu le seul à mettre une note comme ça. La plupart ils mettent 5, c'est pas grave. Bon là par contre je sais pas trop comment faire. Mais sinon à côté de ça, ce Yoshi il a l'air de très bonne facture, hein. Y a pas de problème. Je crois qu'il était qu'à seulement 35€. Franchement ça vaut le coup. Bon, même si c'est pas non plus du niveau d'un Donkey Kong Country Tropical Freeze. D'ailleurs j'envisage de faire des petits speedruns de Donkey Kong Country Tropical Freeze sur certains niveaux. Voilà. Parce que il y a une nouvelle chaîne que je vais créer. De base cette nouvelle chaîne, c'était que pour... C'était que pour, en fait, parce que dans mon coin, j'écris des petites histoires. J'aime bien faire des petites histoires, surtout sur les Simpsons. Des histoires inédites. Écrites. Bon, au début, je faisais des bandes dessinées, mais je dessinais tellement mal que je préfère m'arrêter. Et je faisais des petites histoires, j'en ai fait 20 sur les Simpsons. Je me dis oh, pourquoi pas les faire en vocal, voilà, sur donc en MP3, voilà. Comme ça vous écouterez mes histoires sur les Simpsons, voilà. Et il y aura aussi une histoire que j'ai créée moi-même, un univers que j'ai créé moi-même, même si j'ai un peu repris de Donjon de Nalbuk. J'adore le Donjon de Nalbuk. J'ai pas mal de BD là-dessus et c'est vraiment pas mal. Je fais pas mal de répétitions avec pas mal. J'ai eu toutes les pelotes, c'est pas mal. Donc voilà, toutes les pelotes, donc on va débloquer ensemble le prochain Yoshi. La prochaine skin de Yoshi. Même si moi je pense que je vais garder la skin Donkey Kong pour la vidéo. Aussi parce qu'il a le style. Mais c'est sympa, je trouve, ces petites idées de mettre des... Attendez. Ah non, j'ai que ça en fleurs. Bah vous voyez quand même, les fleurs c'est difficile à récupérer. Ah, il va falloir que je revienne dans ce niveau pour avoir toutes les fleurs. Parce que oui, j'envisage quand même de faire un défi Kong sur les niveaux quand même, les niveaux spéciaux. Il y en a 6, vu qu'il y a 6 mondes. Et donc oui, j'ai un peu arrêté de parler de ma chaîne, oui. Ma nouvelle chaîne qui s'appellera simplement Oliver Plasma. Voilà. De base, c'était plus une chaîne pour mes histoires, voilà, assez loufoques. Voilà, surtout avec de l'humour. Peut-être que vous aimez pas mon humour, donc passez votre chemin si vous aimez pas mon humour. Mon humour un peu spécial des fois. Non mais je pense que vous allez, ça va vous plaire les Simpsons. Sinon l'autre histoire, ça dépend. Moi j'ai pas trop commencé, hein. Donc franchement, il faudrait que je m'y mette, mais en même temps je me dis, ça propose quand même beaucoup de boulot et donc en même temps de faire les voix et tout. Oui, avec un logiciel peut-être, hein, je m'aiderai un peu parce que faire la voix d'Homer Simpson sans logiciel, c'est un peu compliqué. Yay, Marge! Bon, je sais pas si ça le fait là. Façade double face. J'ai pas trop fait gaffe au Yoshi qu'on a gagné, mais bon, il me semblait assez simple. À mon goût. Ah. Pourquoi on passe au travers là des rubis? Que se passe-t-il? Bon, je sais pas. Ah oui, ok, c'est parce que il y a plusieurs plans. Bon, même si c'est pas trop réaliste, parce que on avait vraiment la pression que qu'ils étaient dans le même plan. Ok, bon, je me suis complètement viandé, mais c'est pas grave.
Ah, les petites souris, ça c'est... Bien sûr, dans les Yoshi Island, il y en avait déjà. Bon, la plupart du temps, c'est pas des nouveautés, hein, les ennemis. Ce sont des ennemis repris des anciens opus. Allez, d'accord, je me fais à chaque fois avoir. Mais les pelotes de laine sont, comme vous pouvez le voir, assez simples à voir. C'est vraiment les fleurs, elles sont dures par contre, elles sont compliquées. Faut vraiment refaire le niveau au moins 5 fois. Des fois, c'est un peu ça. C'est pas du die and retry, mais c'est du retry fleur. Voilà. Je sais pas trop comment dire. Du retry item. Ah, et ce qui est aussi une nouveauté, je pense, oui, par rapport aux anciens Yoshi, c'est que là, quand il crash, voilà, ça, c'est direct un œuf. Enfin, pour ici, une... Pour ici, c'est de la laine, bien sûr. Une petite pelote de laine. Ah, je suis sûr qu'on va voir des chats, hein. C'est très probable. Ouais. Mais comme vous pouvez le voir, l'animation de Yoshi est vraiment parfaite. Hein. Ils se sont pas loupés à ce niveau-là. Et les ennemis également. C'est quand même assez bien foutu. Bon, même si des fois, quand ils se retournent, quoique les souris, ça va. Mais il y a les masques, quand ils se retournent, c'est en une frame. En une frame. Donc c'est pas très beau sur un jeu en 60 FPS. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup de réflexion, de recherche. Hein. Vous voyez, j'ai déjà loupé une fleur, c'est magnifique. Le niveau est très joli. J'ai l'impression que le gameplay, bah, c'est depuis que... Parce que j'ai au tout début du jeu, je trouve que le gameplay était assez faiblard. Enfin, c'était trop facile, trop accessible, trop facile. Mais dans le monde 1 et niveau 8... Le niveau 8 du monde 1, et ben, c'était plus la même chose. C'était... Enfin, si, ça restait un niveau très facile. Mais il y avait beaucoup d'idées assez marrantes, voilà. Assez originales. Donc ça faisait plaisir. Du coup, il faut que j'essaye de balancer ça là-haut. Ah, ils nous volent des pelotes de laine, hein, c'est... C'est des vrais méchants. Je vais pas dire de gros mots, donc c'est encore plus ridicule. Voilà, comme d'habitude, on pond des œufs quand on avale les souris. Et à ce qui paraît, le Kirby qui est sorti sur... le Kirby qui est sorti sur Wii, eh bien, a été fait, voilà. Enfin, à ce qui paraît, non. Il a été fait par le même groupe que... la même société que pour ce Yoshi. Bon, comme vous pouvez le voir, notre système de barre de vie, bah, c'est comme ça, c'est des cœurs autour de nous. J'ai enfin réussi, et en fait, c'était juste pour une pelote de laine, c'est magnifique. Et maintenant, je me retrouve paumé. Il faut faire un chemin, je sais pas. Ah, là, je suis foutu. Il faut aller de l'autre côté, il y a peut-être quelque chose. Je suis bloqué dans Yoshi quand même. C'est assez incroyable. Putain, je vais être bloqué dans Yoshi comme dans Sonic Boom, ça va être pitoyable. Ah non, voilà. Vous le voyez de l'autre côté, plateforme. J'aurais dû faire gaffe avant. Mais ouais, là, le level design a l'air vraiment beaucoup plus poussé que dans le premier monde. Ça fait plaisir. Ah, et aussi on se transforme des fois en Yoshi, cette fois-ci Yoshito, avant c'était Yoshimoto, et encore avant Yoshi, bah, géant tout simplement. Creuser la terre avec B vers le haut, vers le bas, dans tous les sens. B. Oh purée, c'est repris de DreamWorks là, sur NES. Je sais pas si les vieux nostalgiques comprendront. C'est un jeu pas très connu.
Oula. Vite! Ah, parce que c'est quand même timé. Faut récupérer des... des montres. Enfin, des chronos. Pour pouvoir reprendre tout le temps qu'on veut, quoi. Pour pouvoir avoir un regain de temps. Voilà. Je sais pas comment expliquer. Ouais, les transformations sont sympas. Bah, à part Yoshi géant, c'est trop classique. Mais sinon, ouais, Yoshimoto était sympa. C'est déjà fini. Le rideau se ferme. Ah, on fait encore Yoshi taupe. Ah, si ça se trouve, je me suis planté. Si ça se trouve, je me suis viandé. Mais en fait, oui, pour revenir à la nouvelle chaîne, Oliver Plasma, là, eh bien, oui, à part les histoires, donc je le dis, ça ferait peut-être pas assez pour la chaîne. Ça sera peut-être... il y aura peut-être pas assez de contenu, parce que surtout, je pense pas que je vais en faire non plus des tonnes, des histoires. Eh bien, les histoires en MP3. Eh bien, je pense que, bah, en même temps, je ferai aussi... une nouvelle playlist qui s'intitulera, qui sera que sur les speedruns. Voilà. Les petits speedruns que j'ai fait. Fait maison. Attention. Ah, déjà, je me suis préparé là-dessus. Là, j'ai fait le speedrun de DuckTales et DuckTales Remastered. Enfin, remasterisé. Hein, c'est très difficile à dire. Sur PC. Bon, je vous montrerai ça, bah, voilà, dans mon autre chaîne. Et il y aura aussi des surprises, bien sûr. Bon, j'ai parlé, bien sûr, aussi, voilà, speedrun de certains niveaux de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bon, c'est un projet, donc j'ai pas encore réalisé ce projet, bien sûr. Mais voilà, donc, donc voilà, pas mal de nouvelles choses. Hein. J'avais dit trop de choses l'année dernière, là, je me disais, alors on va faire un vidéo test là-dessus, on va faire un let's play, là, on va faire les let's play sur les Mario et Luigi, là, attention. Mais bon, finalement, je me rends compte que c'est un peu trop pour moi. Je ne mets pas des vidéos tous les jours. Je suis pas Phantom Bob Games. La jouabilité est très très agréable. Enfin, dans un Yoshi, de toute façon, c'est toujours agréable. Ah, je vais vous montrer une petite astuce. Voilà, quand on saute sur un méchant, voilà, on... C'est pas qu'on saute plus haut, mais on... Notre deuxième saut est plus... est renforcé. Voilà. On peut sauter quand même plus haut, voilà. Bon, si, en gros, c'est ça, mais... Alors, vous allez voir. Voilà, le fameux saut Yoshi, là, il... Il dure plus longtemps, je sais jamais comment on l'appelle, je sais pas. Ça a peut-être pas de nom en fait. Ah, vite, je veux monter! Ah voilà, par contre ça c'est vraiment la facilité, c'est que bah, on peut faire des sauts à l'infini quoi. Contrairement aux anciens Yoshi où on pouvait faire qu'un saut, comme ça. Ou peut-être un deuxième, mais bien après quoi. C'était pas tout de suite après. Ouais, ça rend ce Yoshi encore plus simple. D'avoir fait ça, c'est pas une si bonne idée. Tiens, bah, je viens de voir que les souris ne me touchent pas finalement. Elles m'enlèvent que des pelotes de laine. Allez, d'accord. Faut balancer un peu n'importe où les trucs. Hein. Bon, là, y a rien. Ah, pelote. Et voilà, la quatrième. Mais on n'oublie rien, c'est incroyable. Oh non, je vais être écrasé. J'allais être écrasé par ces trucs-là. Je sais pas si on nous one-shot. Je pense pas, on est dans Yoshi. Hein. Bon, on va descendre. Parce qu'en bas, ça me dit rien. Pourtant, il y a des flèches qui nous montrent de monter, plutôt. Bon, d'accord, on risque de se faire écraser.
Merci. Bon bah c'est nous one shot. Alors, oh non, il faut que je reprenne la pelote. Bon. Et pourtant je faisais en haut, mais il voulait pas revenir. Comment est-ce possible? Yoshi, il faut m'obéir. La ferme, Yoshi. Il y a des fois tu m'agaces. Bon, alors on va défoncer quelques souris. Et voilà, on récupère la magnifique petite pelote de laine. Et vous voyez, vraiment, ça a été fait avec de la laine. Ils ont montré Nintendo, ils ont fait des vrais Yoshi en laine. C'est super bien fait. Ils ont retranscrit ça sur, dans le jeu et franchement, bah, c'est une bonne idée, quoi. Le thème de la laine. Un peu comme le thème des crayons, en fait, pour l'ancien Yoshi. Enfin, les anciens Yoshi, plutôt. Ils étaient tous comme ça. Bon, là, vaut mieux retourner direct, hein. Bon, là, on y va vite fait. C'est quand même limite, hein. Ah, là, c'est presque à la frame près. Attention. Faudrait que j'essaye de faire un speedrun sur Yoshi. C'est... Comme ça, je lance comme ça le truc. Oui, un speedrun de Yoshi, bien sûr. En tout cas, je suis pas trop prêt pour faire un speedrun de Yoshi, hein, après la cuisante défaite que je viens de me prendre juste avant. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de checkpoints, donc c'est pas très gênant. Je sais pas où aller, là. Je suis un peu paumé. Ah, vous voyez, quand on court, on dirait Sonic, hein. Il y a des espèces de roues comme Sonic. On va faire gaffe aux plateformes. On va défoncer les petites souris et... Je pense qu'il faut passer en dessous en fait. Ah, il est peut-être à gauche. Juste à gauche. Ouais, on s'y perd, hein. Il n'y a pas grand-chose. Ah, si. Ça veut tout dire quand il y a un point d'interrogation. Ouais, des petits cœurs pour se restaurer un peu notre barre de vie. Et voilà. Une pelote en plus. Et je crois qu'on les a toutes, hein. Les pelotes. Il y a aussi des pelotes géantes, hein, pour... je sais pas si elles font plus de dégâts. Elles font pas plus de dégâts, mais... Je crois avec les pelotes géantes, on peut... créer deux plateformes d'un coup, ou trois même. Si elles sont dans la même lignée... du lancer. Comment j'explique trop bien. Ça veut complètement rien dire, mais c'est pas grave. Je sais pas trop où passer. Peut-être une carte, hein. En fait, je joue avec la super contrôleur pro Wii U bidou chouette de la morquée du tout. De toute façon, maintenant, bah, je joue plus presque que avec ça. Bon, j'ai un peu essayé avec le gamepad et c'est quand même jouissif, hein. En tout cas, pour un jeu comme ça. Après, si c'est un jeu très technique à Donkey Kong, vaut mieux quand même avoir le gamepad, le contrôleur pro. Bon, quand c'est un jeu d'exploration un peu, c'est un jeu de plateforme avec beaucoup d'exploration, c'est pas gênant de jouer au gamepad. Et je me suis planté. Non! Oui! Cette chance inouïe! Grâce au super saut infini que peut faire Yoshi, c'est vraiment magique. Ah, c'est vraiment joli quand même.
J'aime bien cette patte graphique et ça m'a vraiment attiré quand j'ai vu le trailer. C'est très enfantin, c'est très Nintendo et c'est ce que j'aime. Et c'est très fourbe aussi. Avec les passages secrets. Ah purée. Mais ils m'attaquent tous là. Les souris freestyle. Putain, il y en a tellement. Ah, je veux absolument avoir ces diamants pour avoir des tampons. Là. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Bon, bah, j'ai loupé une fleur, c'est magique. C'est magnifique. Oh là là, mais j'ai une fleur. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les niveaux bonus qui sont incroyables. Ils sont aussi incroyables que les boss. Hein. Ça promet. Ils sont pourris, quoi. En tout cas, je suis tombé sur deux niveaux bonus. C'est un peu... Enfin, c'est des niveaux bonus que... Dans tous les jeux, tu trouves ça, quoi. Dans tous les jeux de plateforme. C'est pas original. Mais bon, on leur en veut pas, Nintendo, parce que... Bien sûr, hein, c'était pareil pour New Super Mario Bros. Wii. Niveau bonus qui servait à rien. Juste à avoir des objets, là, c'est juste à, je sais pas, avoir du blé. Voilà. J'ai loupé la pastèque, j'avais cru que c'était un ennemi. Sur le coup, je sais pas pourquoi. Ah, j'étais presque aux pommes. Voilà, on récupère des diamants. Je sais pas trop à quoi ça sert les diamants. Enfin, si, acheter des petits bonus avant de commencer le niveau. Mais bon. Le jeu est tellement simple qu'il n'y a pas trop besoin de bonus. Hein. Je sais pas, comme par exemple, comme bonus, il y a le saut en rodéo avec le séisme. Ouais, on peut carrément un séisme, ça. Ça défonce tous les ennemis à l'écran. C'est un peu cheaté. Ouais, mais pourquoi ça s'est mis tout seul en menu home? Ah oui, en fait, faut que je regarde le gamepad, ça peut aller. Parce que ma manette peut durer en autonomie 80 heures. Mais par contre, à côté de ça, il y a mon gamepad qui dure, lui, 2 heures. Ou 3 heures. Maximum. Ah, l'autonomie du gamepad, c'est incroyable. Ah oui, 3h, 3h30. Bof. C'est parti! Alors là, on voit des chombes. Donc ça fait déjà plaisir. Les anciens ennemis de Super Mario Bros. 3. Et on peut les transformer. Pour pouvoir les pousser. Sur des blocs. Jusqu'alors. Inaccessible, enfin, on peut pas les détruire. Allez, on peut le reprendre. Aïe, je pense qu'il faut l'attirer en fait, hein, pour pouvoir le retransformer en laine et le pousser. Ah oui, il y a des idées, hein, il y a des idées. Ah ça c'était les fameux piquets, enfin les espèces de piquets qu'on enfonce pour piéger un chouamp. Oula, ça me semble un peu plus compliqué ici. On va prendre le chouamp. Il va monter avec nous, hein. Je sais pas s'il peut sauter. Enfin si, là il saute. Ah ouais, d'accord, oui il saute. En effet il saute. Hein. Il saute très bien même. Et voilà, une pelote de LED, une. Finalement je me suis dit au tout début, je me suis lancé quand même comme objectif de faire les niveaux en ligne droite sans prendre les pelotes de laine et tout. Mais bon, elles sont tellement simples à voir. T'as quand même envie de les prendre. Et puis c'est toujours sympathique d'avoir une skin de Yoshi en plus. La petite collection des skins de Yoshi.
Surtout qu'en plus, actuellement, je crois qu'il y a une quarantaine d'amiibo. Donc une quarantaine de skins de Yoshi. Attention, ils ont beaucoup travaillé, Nintendo, hein, pour les skins. Y'a pas de soucis, hein. Pognon, pognon, pognon. C'est surtout ça. Voilà. Et les fameux amiibo qui vont plus servir à grand chose. Maintenant, mon amiibo Donkey Kong qui va plus servir à grand chose. Juste à changer de skin, peut-être. Ou quelques bonus dans les nouveaux jeux. Mais bon, là, il y a un amiibo exprès pour ce jeu-là, c'est l'amiibo Yoshi en laine. Qui est très joli, hein, certes. Bon. Je crois que c'est 13 euros et. Bon, 13 euros, c'est déjà pas donné. On va dire encore que ça peut aller. Mais après, je parie qu'il va en augmenter en prix. Il va être à 110 euros. C'est arrivé en plus. L'amiibo Mario en or. Enfin, couleur or. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, je sais quoi faire. Non, il faut pas qu'il aille là. Faut pousser le chomp et l'arrêter. Là où il y a les trucs de flipper là. Ah non, on peut pas y aller. De l'autre côté. Ah, ça sent le passage secret. Par ici, faut pas trop le rouler. Mais je le roule trop à chaque fois. Ah, le petit passage secret. On s'en doutait quand même. Petite coupure, désolé. Il y a eu pas mal de bruit à côté, donc voilà. Faut bien sûr faire une petite coupure. Ça gâche la vidéo sinon. Ah. Et comment marche ce truc? Ah, faut peut-être mettre un chomp dessus. Vu qu'on utilise beaucoup de chomp. À notre avantage. Je me souviens, les chomp, ils étaient vraiment énervants hein, dans Mario Bros 3. Les fleurs, je pense que c'est checkpoint, oui, c'est. Qui nous font regagner de la vie. Attention aux petits ennemis piquants. Ils sont piquants, ils sont méchants. D'accord. Ah, ok, il y a un chomp là-haut. Ah, vous voyez, là ça me plaît, là. Il y a pas mal d'idées, d'innovations, là. Je sais pas ce qui se passe, mais là d'un coup ça change. Et voilà. Par contre, si je vais en haut, ça fait quoi? Si ça se trouve, il y a un truc en haut. Donc j'avale ça et le chombe va essayer de sauter. Enfin, faut vraiment qu'il soit fort pour sauter de là. Je sais pas. Ah purée. Je sais pas comment avoir ce truc là-haut. Ah quoique, non, c'est peut-être par là. Ah ici, si on le fait monter ici. Ah, vous avez vu cet esprit quand même, c'est incroyable. Cet esprit de déduction à la Oliver Plasma, c'est. Cet esprit d'énigme, de résolution d'énigme, quoi. Il y a une fleur en bas. Ah, c'était pour avoir une fleur. Et j'en ai combien des fleurs? Oh purée, j'en ai déjà loupé un. Une. Et je sais pas trop à quoi ça sert. Ah si, peut-être pour rouler le Goomba, le Shwomp là-haut. Il faut que je le roule. Ah purée. Mais c'est pas possible, je passe au travers de la plateforme.
Voilà. C'est parfait, j'ai loupé deux fleurs. C'est parfait. C'est perfect. On va prendre quelques œufs. Ah, mais j'ai trop l'habitude de dire œufs. Mais non, ce ne sont pas des œufs. Ce sont des pelotes de laine. Voilà, c'est la danse à la Yoshi, hein. C'est le nouveau tube de l'été. Voilà, c'est... Vous avez vraiment vu le tube, c'est incroyable. Le tube de l'été. Oh, je savais même pas qu'on pouvait tirer la langue en haut. Je savais qu'on pouvait lancer des pépins là-haut. Le pastèque. Mais je savais pas par contre pour la langue. Eh bien, vous voyez, on en apprend tous les jours. On va prendre ça. Même si ça sert pas à grand chose, et on y va. La musique est sympa. Enfin, les musiques, de toute façon, sont vraiment pas mal. Hein. Je trouve que nous mettent vraiment dans l'ambiance. Ambiance assez enfantin, assez rigolo. Burlesque. Enfin, vous voyez le truc. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Balancer une pelote? Non. Ah, j'aurais presque cru que c'était ça. Ah ok, il meurt sur les pics, c'est bien. Des ennemis en pic qui meurent sur des pics. C'est très étrange. Ok, alors comment je... Ah ok. Comment tu veux que je sache je l'ai su en faisant pif, hein. En balançant comme ça, désespérément. J'étais persuadé que ça allait pas marcher. Ah, le fameux jeu de la boule, là, attention. On avance comme ça. Purée, mais j'ai loupé une pelote. C'est pénible. Ça me tracasse. Ah, peut-être que la pelote, elle est en haut, là, avec les trucs rouges. Non. Bah, de toute façon, c'est pas grave parce que quand on récupère 4 pelotes de laine, et bah, il nous en reste plus qu'un à récupérer. Il n'y en reste plus qu'une. Et quand on recommence le niveau, on n'est pas obligé de tous les reprendre. On reprend que celui qu'on a. Ah non, on prend que celui qu'on a pas eu, quoi. La première fois. Donc, ça, déjà, c'est bien. Bon, c'est la même fonction que. Un New Super Mario Bros avec les étoiles. Les pièces étoiles. On récupère quelques cœurs. Même si bon, on n'en a pas trop besoin, on est quand même vraiment... Comment dire, bah assisté quoi. Ah oui, mais il faut avoir un deuxième chomp. Parce que moi, avec mon petit poids Rikiki, voilà. C'est... Yoshi, il fait 2 kilos. Il pèse encore moins qu'un bébé. Surtout parce qu'il est en laine. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un petit détail, bien sûr. Oui, bah, je vois pas trop à quoi ça sert. À quoi que, ça serait peut-être pour... Allez, je sens qu'il va y avoir un chomp à gauche. Hein. Bah, de toute façon, c'est obligé. C'est obligé. Voilà, s'il saute, on est mal. Oh, ça! Fumier! Bon, là, on va lui libérer le chemin. Pour qu'il puisse passer par là. Et mince, comme un con, il est allé tout droit. Voilà. Ah, il est tout beau en rose en plus. En violet. Ah, c'est vraiment sympa comme gameplay là. Ah, vous voyez là, ça change. Ah, ils ont fait beaucoup d'efforts là. Ah, par exemple, faut pousser jusqu'au bleu. Ah, c'est pas mal. Okay.
remarquez aussi que les bruits de Yoshi sont exactement les mêmes que dans les anciens opus. Hein. Je pense qu'ils ont repris les anciens enregistrements en fait. C'est, ça doit être ça, parce que c'est exactement les mêmes bruits. Surtout le... Ah, je le fais très mal, mais quand il fait son rodéo. Le coup du rodéo. Ouais, super. On l'entend dans Super Smash Bros. Hein. Voilà, non, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Putain, enfoiré. D'accord. Maintenant, faut tout recommencer. Donc, alors, ok, je ne peux point passer. Excuse-moi, monsieur Chomp. J'aime bien m'amuser avec ta carcasse. On va l'avaler vite fait, aller ici, parce que je vois que quand il repop, quand il revit, bah, il nous touche pas. Pendant une seconde à peu près. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? La Bowie. Bien sûr, bien sûr. Je suis bête. Je ne suis pas vif d'esprit. Mais bon, vous avez l'habitude. Ah, il faut faire monter le chomp. Ah, mais quel beau gosse ce chomp. Ah, il y a aussi, pour en tout cas le mois d'août, pour les vacances d'été, quoi, en gros, eh bien, il va y avoir un let's play sur un jeu culte, un jeu exceptionnel, mais je vous dis pas lequel. En tout cas, il est fait vers 1999-2000, et il a eu beaucoup de portages. Mais j'en dis pas plus, bien sûr. C'est une surprise, un gros let's play qui se prépare, bon, qui est bien sûr pas commencé. Mais j'envisage de faire le let's play pour, oui, cet été. Ah. Ce méchant chouan. Oh, on descend tranquille avec tous les chouans. Oulala, oulala. C'est freestyle land. Sans doute, voilà, c'est la fin du niveau. Donc, alors, comment avoir celui-là? Eh bien, tout simplement, ça marche pas. Ah, parce qu'il a pas de nœud. Et puisque la particularité de Yoshi, c'est qu'on peut aussi avaler les nœuds pour qu'il se passe un événement. Voilà, des fois ça débloque un passage secret, et là ça fait revivre un chomp. Ah. C'est la nouveauté incroyable de ce Yoshi. Je suis déjà affaibli, hein. Il n'y a pas beaucoup de vie dans ce jeu. Quand même. Il y a beaucoup de checkpoints, mais on récupère pas souvent de la vie. Faut faire gaffe. Hein. Bon, voilà, c'est fait. Et voilà. Et j'en ai loupé un, hein. C'est magnifique. C'est pas grave, les tampons, j'en ai jamais à 100%. J'ai envie de dire... Allez vous faire foutre, les tampons. Pardonnez-moi l'expression. Allez vous faire voir. Voilà. Bon bah, on est rendu au niveau 4, je crois. Peut-être niveau 5. Du monde 2. Bon voilà, vous voyez, il y a beaucoup de gamins qui font des petits dessins sympatoches. Hein. Et qui mettent trop bien ce jeu. Ou qui mettent aussi... Qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais, j'y arrive pas, c'est trop dur! Les trucs du genre, hein. C'est super. Comme vous pouvez le voir, hein, les plus grandes fans de Yoshi, en fait, ceux qui ont acheté vraiment à sa sortie, ce sont des bébés. C'est super. J'en suis un d'ailleurs. Bon, passons, et bon, voilà, c'est le truc que je voulais vous montrer. Voilà, 8 sur 40, c'est, il faut avoir. Les 40 fleurs pour pouvoir débloquer ce magnifique niveau en pelote de laine. Et à ce qui paraît, voilà, c'est les niveaux les plus difficiles du jeu, attention. Mais bon, je pense pas qu'ils vont être aussi difficiles que ça, mais bon, on verra ça dans le défi Kong.
Et bon, vu que j'ai pas trop le temps, là, on va pas finir le deuxième monde. Peut-être une deuxième partie, voilà, sur le deuxième monde, ça serait sympa. Voilà. Donc sur ce, bah voilà, je pense que vous avez une bonne idée de ce que c'est ce Yoshi Woolly World. Un jeu assez simple, voilà, très simple. Sympa à faire à deux. Voilà, j'ai essayé le mode de joueur, certes. Il est peut-être pas aussi bien que le mode de joueur de New Super Mario Bros. Parce que New Super Mario Bros, on peut vraiment aller loin à deux. Alors que là, ben, le joueur qui va trop loin, c'est le même système que Donkey Kong, c'est-à-dire que il crève, il se transforme en œuf et il va vers son acolyte, voilà. Donc, c'est un peu moyen. Même si bon, ça reste toujours quand même très amusant à deux, ce jeu, malgré ce système, voilà, qu'ils ont repris de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Faudrait qu'ils arrêtent ce système, qu'ils fassent le système de New Super Mario Bros. Wii. Tout simplement la caméra qui s'éloigne. Quand plus on est loin, plus elle s'éloigne, la caméra. C'est mieux. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on peut parler à Demi. Hein. C'est très intéressant. Je n'ai jamais essayé. On va voir ce que c'est. Voilà, ouf et bon. Voilà, c'est super. C'est Kevin qui nous a envoyé ses cartes postales. Donc voilà, ça, je me demande ce que c'est. Je pense que si ça se trouve, c'est le monde 6. Parce que là, j'en vois que 5 des mondes. Mais j'ai lu sur le site jeuxvideo.com que, oui, le site de référence le moins professionnel. Mais le plus regardé. On peut pas trop défendre ce site. Bon, moi j'aimais bien jeuxvideo.com avant, mais jusqu'à ce qu'il... maintenant c'est catastrophique. Hein. Déjà ils notent plus pareil, ils notent à la Game Cult, complètement copié à la Game Cult. Hein. Point fort et point faible. Voilà. Il manque plus que le sur 10 et c'est bon, c'est Game Cult. Voilà. Et puis ouais, c'est dommage qu'ils fassent plus les notes comme avant, c'est-à-dire noter sur les graphismes, jouabilité, durée de vie, bande son et scénario, même si scénario on s'en fout un peu la plupart du temps. Non, attention, on s'en fout pas des scénarios des RPG, mais à part les RPG, voilà. Il y a plus grand-chose comme jeu où on s'intéresse au scénario. Peut-être quelques FPS comme BioShock. Ça se fait assez rare, les FPS avec des bons scénarios. On voit plutôt des scénarios genre comme Far Cry. Complètement hollywoodien. C'est complètement stéréotype. C'est complètement nawak. Et pas du tout travaillé, mais c'est pas grave, puisqu'on aime. Enfin, non, c'est quand même mieux des vrais scénarios. Mais voilà, on est un peu allé en freestyle là, sur cette fin de vidéo. Mais sur ce, voilà, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures et on se retrouve peut-être, voilà, pour une deuxième partie de Yoshi Woolly World sur la suite du monde 2 et peut-être, oui, on ira jusqu'au boss. The final boss. Non, on est un peu loin du final boss, mais là, un grand boss du monde 2, attention. Ce que je dis très clairement, les deux premiers boss, ils sont incroyables. J'ai jamais vu autant d'idées pour faire un boss comme ça. C'est l'inventivité de Nintendo, c'est amazing. Je vais d'ailleurs vous montrer tellement que c'est incroyable. Non, c'est pas terrible. Sur ce, je vous dis à la rouillure pour de nouvelles pelotes de laine.